Merci à vous, Madame l'Ambassadeur Ala Abou Astira, d'être présente parmi nous à l'occasion de notre comité confédéral national. À l'issue de cet échange, qui sera évidemment trop court pour nous, on vous demandera de tenir donc devant vous, les camarades, les mots de paix en français, en anglais, en français, en hébreu et en arabe, afin de faire une photo de famille de la CGT avec vous. Sans attendre, je laisse la parole à Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Merci beaucoup, Ala Abou Astira, d'être présente avec nous lors de notre CCN. Je tiens à t'adresser toutes les condoléances de la CGT, car je sais que tu subis la guerre aussi personnellement et que plus de 30 membres de ta famille viennent de mourir dans un bombardement, dont certains seulement ce matin, dont tu viens d'apprendre le décès. Ça fait aujourd'hui exactement un mois que l'attaque meurtrière du Hamas a relancé la guerre en Israël et en Palestine avec l'assassinat de 1400 Israéliens, essentiellement des civils, et la prise de 220 otages. Cette attaque a été suivie d'une répression sanglante, d'une violence inédite qui a fait déjà 10 000 morts palestiniens, dont la moitié d'enfants, et qui plonge aujourd'hui 2,5 millions de Gazaouis dans une catastrophe humanitaire, sans eau, sans électricité, sans nourriture ni soins. La punition collective que Benjamin Netanyahou et l'armée israélienne infligent à la population civile gazaoui est intolérable et relève de crimes contre l'humanité. Dans ce contexte très grave, le débat public en France, en Europe et dans le monde est honteux, avec une mise en concurrence et une hiérarchisation des morts. La CGT a toujours été très claire en refusant de choisir ses victimes. Nous dénonçons l'assassinat de tous les civils, israéliens et palestiniens. Nous dénonçons l'augmentation préoccupante en France de l'antisémitisme, du racisme et de l'islamophobie. Et nous exigeons surtout, depuis un mois, un cessez-le-feu immédiat. Mais faire cela, ce n'est pas renvoyer dos à dos israéliens et palestiniens. Pour qu'une paix juste et durable soit trouvée, pour que les Israéliens puissent avoir le droit de vivre en sécurité, la justice est indispensable et les résolutions de l'ONU, foulées aux pieds par le gouvernement de Netanyahou, doivent être respectées. La colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est doivent être stoppées immédiatement et les colonies illégalement implantées doivent être démantelées. Le blocus de Gaza doit être levé. La CGT a pris de nombreuses initiatives pour la paix depuis un mois, dans l'objectif de dépasser et de rassembler largement le camp progressiste. Nous savons que la voix de la France pèse lourd au plan international. Nous sommes un des rares pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et nos positions ont souvent empêché, comme pendant la guerre en Irak, que le monde ne bascule dans une prétendue guerre des civilisations. C'est malheureusement ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, du fait du positionnement international de notre pays, qui est maintenant de plus en plus aligné sur les États-Unis. Dans ce contexte, la CGT sait mesurer et prendre ses responsabilités, et tu peux compter, Alain, sur notre engagement pour la paix et pour les droits des Palestiniens. Merci. Encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Chers camarades, chers amis, j'étais ici dans cette salle il y a un an et demi à peu près, devant vous. Et le moment, il y a un an et demi, était très grave déjà. Et j'ai alerté contre le déni constant et quotidien contre le peuple palestinien, le déni des droits, les violations israéliennes, de l'occupation israélienne en Cisjordanie, partout, dans toutes les villes palestiniennes, à Jérusalem-Est. J'ai alerté contre la violence des colons, protégés par l'armée israélienne. J'ai alerté sur le maintien de blocus, le blocus le plus inhumain imposé sur
la bande de Gaza depuis 16 ans aujourd'hui, presque deux décennies. Et on a alerté de l'absence de perspective, de toute perspective politique pour concrétiser la solution à deux États. Cette solution qui permettrait au peuple palestinien l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination, c'est-à-dire de vivre dans son État indépendant et souverain dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Une solution qui permettrait aux deux peuples de vivre l'un à côté de l'autre, en paix et en sécurité. Et on alertait contre toute potentielle explosion de la population palestinienne face à cette occupation, face à l'apartheid israélien. Un apartheid qui a été bien nommé par toutes les instances internationales compétentes. Ce maintien de contrôle, de domination, de discrimination contre le peuple palestinien dans l'ensemble de territoires palestiniens occupés. Et hélas, on est là aujourd'hui. On est là. Je commence par dire que toute perte de vie civile est condamnable, est rejetée, est déplorable. Aujourd'hui, le prix est très élevé de tous côtés. Mais je dis aussi que rien ne justifie les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. J'utilise bien mes mots. Aujourd'hui, ce sont les experts des Nations Unies qui disent que ce qui se passe dans la bande de Gaza monte à un crime de génocide. L'ancien procureur général de la CPI, Ocampo, a dit la semaine dernière que Israël a transformé la bande de Gaza en un camp de concentration. Ça peut choquer, mais c'est le procureur général de la CPI qui avait mandat de juger justement tout crime de guerre, tout crime contre l'humanité et le crime de génocide. Permettez-moi de vous remercier pour cet accueil chaleureux, très chaleureux, et de remercier la CGT avec tous ses adhérents et adhérentes pour votre soutien, soutien principal, un soutien de fond aux droits du peuple palestinien, à la justice, à la concrétisation et l'application de droit international sur tous, y compris sur Israël. Et votre voix a été toujours entendue. Elle est toujours entendue, elle est toujours là. Et je voulais, Madame la secrétaire générale, c'est ça ? Chère Sophie, d'abord félicitations pour vos nouvelles fonctions. Et je voulais vous remercier vraiment et tous les adhérents et les instances de la CGT pour votre mobilisation samedi dernier. C'était très important qu'on entende la voix de la rue, la voix du peuple, la voix des peuples. Aujourd'hui, on constate une mobilisation gigantesque dans le monde entier. La voix du peuple français était absente, mais elle est là. Elle a été bien entendue samedi dernier contre l'injustice, contre le déni des droits et contre les crimes perpétrés aujourd'hui contre le peuple palestinien et pour un cessez-le-feu immédiat. Quant à la situation dans la bande de Gaza, je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, ce que les 2,4 millions d'habitants subissent est tout simplement un crime contre l'humanité et un vrai génocide. Il faut savoir que plus que la moitié de la population palestinienne dans la bande de Gaza, ce sont des mineurs, ce sont des enfants.
50% de la population à Gaza n'ont même pas atteint l'âge de 18 ans. Ça veut dire qu'Israël a lancé sa vengeance, cette attaque de vengeance contre des enfants principalement. Et ils le savent. Quand j'ai dit génocide, tous les éléments de ce crime, malheureusement, sont réunis dans la bande de Gaza. Que ce soit l'intention déclarée par les responsables israéliens de punir l'ensemble de la population en coupant l'eau, l'électricité, le carburant et la nourriture de ces animaux humains. Il faut avoir l'intention, tout d'abord, de cibler une population avec l'objectif de toucher à son intégrité, toucher gravement ou atteindre gravement à son intégrité et physique et morale. Et c'est exactement ce qui se passe à Gaza. Dans cette prison à ciel ouvert, on a décidé d'anéantir, d'affamer, de punir, de tuer, de massacrer une population entière. Les représailles israéliennes, ils touchent l'ensemble de la population. Tout le monde est un cible. Tout le monde est un cible. La population civile, les femmes, les enfants, le nombre des assassinés dans la bande de Gaza depuis uniquement un mois a dépassé les 10 000 civils. Si je veux donner un chiffre, on est à 10 000 morts, y compris dedans, malheureusement, il y a 4 800 enfants, 2 550 femmes, pour être exact, jusqu'à hier soir, 26 000 blessés. Avec les 36 hôpitaux de toute la bande de Gaza menacés de bombardement. 18 ont été déjà bombardés. Ils sont à l'arrêt. Ils ont arrêté de servir quiconque. Faute de carburant, faute de médicaments, on fait des opérations sans anesthésie. On impute l'amputation sans anesthésie, par terre. L'hôpital central de la bande de Gaza, qui se trouve dans la ville de Gaza, qui se trouve dans mon quartier, a déjà plus de 6 000 blessés. L'hôpital, sa capacité est 500 lits. Mais il a 6 000 blessés qui sont partout dans les couloirs. On opère dans les couloirs. Et avec 60 000 familles qui ont pris abri, qui ont pris refuge, dans l'hôpital central de Gaza. Cet hôpital est donné ordre à évacuer pour bombardement. Hier soir, les panneaux solaires, la seule source après l'épuisement de carburant qui permettait au minimum de fonctionnement de cet hôpital. Hier soir, Israël a bombardé les panneaux solaires de l'hôpital central de Gaza. Hier, Israël a bombardé l'hôpital pédiatrique, le seul hôpital pédiatrique dans la ville de Gaza. Enfants, l'hôpital des enfants. L'hôpital, le seul hôpital de cancer pour toute la population de la bande de Gaza a été bombardé. Aujourd'hui, tout le système sanitaire est à l'arrêt. Tout le système de sanitation, de dessalement est à l'arrêt. Faute de carburant, faute d'électricité, faute d'eau. Manque de tout. 1,7 million de cette population civile a été obligée à quitter chez elle. Chercher un abri. L'occupation israélienne a demandé à la moitié de la population,
habitants de la moitié nord de la bande de Gaza de se déplacer vers le sud de Gaza. Ils ont dit « on va massacrer le nord, s'il vous plaît, on est gentil, on vous demande de partir vers le sud pour que vous soyez protégés ». Israël immédiatement a commencé à bombarder le sud. Aujourd'hui, parmi les 10 000 morts, 40% de ces 10 000 morts sont tués dans le sud de la bande de Gaza. Dans le sud de la bande de Gaza. Et la moitié de ces 40% sont les habitants du nord de la bande de Gaza qui ont pris refuge dans le sud. Aucun endroit est sécurisé dans toute la bande de Gaza. Toute la population est ciblée partout où elle se trouve. Partout où elle se trouve. Beaucoup de la population est en train de revenir du sud vers le nord, malgré un bombardement sans précédent. Moi, j'arrive même pas à imaginer ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza. Le déplacement de la population civile est un élément extrêmement, extrêmement dangereux, extrêmement catastrophique sur tous les plans. Sur tous les plans. C'est interdit en droit international de déplacer la population civile déjà. Et si on veut le faire, il faut sécuriser cette population civile. Il faut sécuriser les services qui permettront sa survie, des éléments qui n'existent pas aujourd'hui dans la bande de Gaza. Beaucoup ont pris refuge dans les écoles de UNRWA, l'agence des réfugiés palestiniens des Nations Unies. Presque 700 000 se trouvent dans les écoles de UNRWA, dans 58 écoles. La capacité de l'école est de 1000, la capacité maximale. Il y a 12 000 dans chaque hôpital, dans chaque école. Des écoles qui ont été bombardées. 5 écoles de UNRWA avec des réfugiés, avec des enfants dedans, ont été bombardées, directement, visées directement. Les ambulanciers sont ciblés. Plus de 150 ambulanciers secouristes ont été tués. Les ambulances sont bombardées. On a tous vu le convoi d'ambulances il y a 2 jours, qui comptait partir vers les frontières avec Rafah, bombardé avec des blessés graves qui devaient être évacués vers l'Égypte, a été bombardé. On a tous vu le bain de sang devant l'hôpital. Une situation catastrophique, une situation hors toute compréhension pour moi, humaine, logique, de self-défense. Aujourd'hui, quand un État occupant, il ne faut pas oublier que la bande de Gaza fait partie de territoires palestiniens occupés. Israël n'a jamais quitté la bande de Gaza. Israël a maintenu le contrôle de la mer par terre et l'espace de la bande de Gaza. Et il a assiégé cette population depuis 16 ans. Nous demandons aujourd'hui, nous disons d'abord, quand un État occupant agresse la population occupée, c'est une agression. Ce n'est pas de la légitime défense. Chaque État a le droit à la légitime défense. C'est un principe constant en droit international. Chaque État, mais dans la limite de ses frontières, quand il est attaqué par un autre État. Aucun État ne peut utiliser ce droit quand il est l'État occupant contre la population occupée. Peu importe. Peu importe. C'est pour cela que nous disons Israël commis et va encore commettre malheureusement si la voix de raison ne se lève pas. Si
la voix de droit ne se lève pas et ne se prononce pas pour un cessez-le-feu immédiat. Il faut un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pour sauver encore des vies. Il faut sauver les vies. Ça, c'est l'objectif principal. Il faut permettre à la survie de la population civile palestinienne. Une trêve humanitaire. Dans l'absolu, il faut une trêve humanitaire. Mais avant, il faut arrêter l'agression, il faut arrêter le bombardement, il faut arrêter de tuer les enfants et les femmes dans la bande de Gaza. C'est pour cela que nous insistons, nous le disons haut et fort. Il faut demander immédiatement, il faut exiger un cessez-le-feu. Il faut que la France aussi rejoigne les pays qui haussent leur voix aujourd'hui pour un cessez-le-feu immédiat et la sécurisation d'un couloir humanitaire qui permettrait à juste alimenter la population avec de l'eau. Ils sont en train de boire l'eau de mer. Depuis un mois, des centaines de milliers, ils ne se sont pas lavés. Il y a des épidémies. Il y a de l'insalubrité. Les poubelles, ils n'ont pas été ramassées depuis un mois. Le système de dessalement ne fonctionne plus. Et il y a les cadavres. Il y a les cadavres sous les débris. Il y a plus de 3000 corps encore enterrés sous les débris des maisons. Du coup, il y a une situation aussi sanitaire d'extrême gravité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toutes choses essentielles. C'est pour ça qu'il faut un cessez-le-feu. Et le moment d'après sera encore, et là je mets encore en garde et je mobilise pour le soutien que la population de la bande de Gaza aura besoin au moment d'un cessez-le-feu, au moment de l'arrêt de l'agression. 50% des habitants de la bande de Gaza sont détruits. La population gazaoui n'aura plus où aller, où retourner. Les hôpitaux sont détruits. Le système sanitaire est détruit, le système de dessalement est détruit, les écoles sont bombardées, les universités sont bombardées. Il faut tenir en compte que ça fait un mois que personne ne travaille dans la bande de Gaza. L'économie est anéantie, tout est bombardé tout simplement. Ces gens-là, même dans l'après-cessez-le-feu, et moi vraiment j'alerte aussi sur ça, c'est important de garder ça en tête, on va se trouver face à une catastrophe humanitaire dans tous les sens. Du coup, je ne vais pas être très très longue. Le moment est vraiment d'une gravité extraordinaire. Il faut arrêter cette agression et il faut rendre responsables aussi les criminels pour les crimes qu'ils commettent. L'État de Palestine va continuer dans la voie juridique, c'est-à-dire avec la CPI et la Cour de justice internationale. La CPI a ouvert une enquête. Nous demandons l'accélération et la concrétisation de cette enquête dans l'ensemble du territoire palestinien occupé. L'État de Palestine a donné mandat total sur l'ensemble des territoires de l'État de Palestine, c'est-à-dire la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, pour que la Cour vienne enquêter pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par tous. Ça, c'est une voie très, très importante. Je voulais vous remercier encore une fois et de vous dire que votre voix est très importante, votre soutien est très important. Quand j'appelle ma famille au téléphone, là, ils sont dans le désespoir total que leur voix soit entendue.
Et j'espère que leur voix est entendue. Parce qu'ils se croient complètement abandonnés par le monde entier. Je dis non. Il y a des hommes et des femmes libres, justes, qui vous entendent et qui défendent vos droits, votre combat pour la dignité et la liberté. Et je voulais vous saluer pour ça. Je voulais vous dire que porter la voix du peuple palestinien, porter la voix de cette cause noble, il ne faut pas s'éloigner de fond de la question palestinienne, qui est un combat contre la colonisation, contre l'occupation et contre l'apartheid. C'est un combat pour la liberté. Je crois que nous menons ce combat ensemble. La CGT est la voix de la justice. Vous portez le combat contre l'injustice partout où il se trouve. Et au nom du peuple palestinien, je voulais vous dire merci. Votre voix est aussi entendue à Gaza. J'ai fait en sorte qu'elle soit entendue par tout le monde à Gaza. Et je voulais vous dire que à quel point ça leur donne une petite lueur d'espoir, de tenir bon, de garder leur force. Et ils ont de la force. Malgré ce apocalypse à Gaza, ils ont encore de la force parce qu'ils ont la conviction totale qu'ils se battent pour leur liberté. Je vous remercie beaucoup au nom du peuple palestinien et je dirais vive la Palestine libre et indépendante et vive le combat du peuple palestinien. Vive la France aussi. Merci. Merci mille fois, Madame l'Ambassadeur. On peut descendre si vous le souhaitez avec vous pour prendre cette photo.